Des visages, des faits. Au Point Presse ce matin, les agriculteurs ne peuvent cacher leur désillusion. La rencontre avec Robert Volute, président de la Fédération des industriels charcutiers traiteurs français, se solde par un échec. Les éleveurs se sont trouvés face à un mur. Visiblement aujourd'hui, ils restent campés sur des positions de négociation, de concurrence avec la grande distribution, refilant toute la responsabilité à la grande distribution. On est partiellement d'accord avec lui. La grande distribution est un problème dans ce pays, puisqu'elle n'accepte aucune revalorisation. Mais il y a un moment, ils sont aussi responsables parce qu'ils ne s'organisent pas pour être forts face à cette grande distribution. Pour l'industriel vendéen, le choix est rapide à faire. La viande de porc est 15 à 20% moins chère dans d'autres pays d'Europe. Le coût bien inférieur de la main-d'œuvre explique en partie cette différence. Difficile alors pour les éleveurs sartois de vendre leurs produits français. Florimichon, Herta, Madrange et compagnie, hein, qui vantent le produit traditionnel, le font aujourd'hui très clairement avec 30 à 40% de porcs qui ne sont pas français, qui sont allemands, qui sont espagnols et qui n'ont pas les mêmes conditions de production que les nôtres, moins rigoureuses d'ailleurs. Les agriculteurs appellent les consommateurs à boycotter ces marques. Ils demandent aux industriels français d'utiliser du porc 100% français dans leurs produits transformés. Les éleveurs de porc sont aujourd'hui pris à la gorge. Si d'ici 3 mois, rien n'est fait, dans 5 à 10 ans, la viande de porc française disparaîtra et tous les emplois qui vont avec. Attention.